Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle recette de Noël. C'est une bûche entièrement chocolat. Elle est composée d'une ganache au chocolat noir, d'une mousse au chocolat noir, d'un biscuit viennois fourré de la ganache au chocolat. Si la recette vous intéresse, suivez-moi. Je vous laisse avec les ingrédients. On commence la recette par la préparation du biscuit viennois. Donc pour un biscuit roulé, je vous conseille le biscuit viennois par rapport à la génoise parce qu'il est plus fin et plus moelleux. Donc nous allons avoir besoin de 4 œufs. Ces 4 œufs, on va les séparer. On va mettre 2 œufs entiers dans un bol et les autres restants, on sépare les blancs des jaunes. On les clarifie. Ensuite, nous allons avoir besoin de farine et de sucre en poudre. Dans le bol du robot, on commence par mettre les 2 œufs entiers. On y ajoute un tiers du sucre et on les blanchit une petite minute. Une fois le mélange sucre-œuf blanchi, on y ajoute les 2 jaunes d'œufs et on remélange une minute. On ajoute maintenant le deuxième tiers de sucre. Et là, on va bien mélanger entre 5 et 8 minutes à vitesse maximum jusqu'à ce que le mélange double, voire triple de volume. Voilà ce qu'on doit obtenir. On a un joli ruban et logiquement, à l'intérieur du bol, le ruban ne s'engouffre pas à l'intérieur. On peut vraiment tracer des petits motifs et il reste en surface. Je vais vous montrer. Vous voyez, je mets le fouet, j'ai un ruban et les traits restent sur la surface. Donc là, c'est bon signe, on peut continuer. On verse notre mélange dans un saladier. Maintenant, on verse les blancs d'œufs dans le bol. On va commencer par les faire mousser. Quand ils mousseront, on ajoutera le dernier tiers de sucre en pluie, petit à petit. Voici donc. Donc, on veut un petit bec d'oiseau, mais assez flexible. Hein? On ne veut pas des blancs trop fermes. On prend un peu de nos blancs. On les ajoute à notre mélange. Et à l'aide de la maryse, on y va gentiment pour bien garder cette souplesse. Et vous allez voir le résultat. Votre biscuit sera super moelleux. Le fait que les blancs aient été serrés, mais pas au maximum, ça facilite aussi l'incorporation. On va maintenant pouvoir intégrer la farine. Donc, on va y aller en 2 fois. On tamise. Là, un petit conseil pour mélanger, je vous conseille le fouet. Alors, on tourne. On remet un petit peu pour enlever l'excédent de farine. Comme ça, ce sera bien incorporé. Et on n'aura pas de grumeaux. Si vous remarquez, regardez. Vous voyez, elle n'est pas retombée. Elle ne s'engouffre toujours pas à l'intérieur. C'est vraiment le résultat qu'il faut avoir. Et on y va doucement. On incorpore notre petite farine. Quand on voit plus de farine à l'horizon, on tamise la deuxième partie. Et on recommence l'opération. On tourne, on retire l'excédent. On verse notre pâte sur un moule à génoise. Donc si comme moi vous n'avez pas confiance en votre moule, n'hésitez pas d'y mettre un papier sulfurisé en dessous. On lisse le tout à l'aide d'une spatule. Le four a été préchauffé à 220 degrés. On va enfourner pour 7 minutes. Attention, surveillez la cuisson. Tous les fours sont différents. Mon biscuit viennois vient de sortir du four. Donc, ma petite astuce pour que le gâteau, le biscuit roulé ne casse pas. Je prends un torchon humide. J'y dépose dessus du papier sulfurisé que je vais saupoudrer de sucre. En plus de l'aider à ne pas attacher, à ne pas casser,
Ça va aussi lui donner un petit goût caramélisé. Donc mon biscuit encore chaud, je le retourne directement sur le papier sulfurisé. Je retire le moule. Donc, dans mon cas, je retire aussi le papier sulfurisé. Et je vais l'enrouler encore chaud à l'aide du torchon humide et du papier sulfurisé. Donc on essaye de bien serrer dès le départ. Et on laisse refroidir à température ambiante. En attendant que notre biscuit viennois refroidisse, on va passer à la préparation de la ganache au chocolat noir. Nous allons avoir besoin de beurre, de crème liquide à 35% et de chocolat noir. Donc vous allez voir, c'est très simple. On verse la crème liquide dans une casserole et on porte à ébullition. Une fois la crème arrivée à ébullition, on la verse directement sur le chocolat. On va attendre 30 secondes que la chaleur de la crème fasse fondre un petit peu le chocolat et on mélange. Quand on n'a plus de morceaux de chocolat à la surface et que notre chocolat est bien brillant, on peut ajouter le beurre et on mélange bien à nouveau. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est prendre un tapis à relief. Donc, pour cette occasion, j'ai choisi celui-ci, donc en bois. Ça peut être ensuite un tapis à relief matelassé, avec des flocons, avec des stries, ça n'a aucune importance. Donc, je vais prendre un petit peu de ganache. Je vais le verser sur mon tapis à relief. À l'aide de la spatule, j'étale bien. Donc pensez bien à combler tous les trous de manière à avoir un démoulage très joli. Et on place au frais. Entre-temps, notre biscuit viennois refroidi, on va le démouler. Vous voyez, il se démoule sans aucun problème. On va verser le reste de la ganache au chocolat. Et à l'aide d'une spatule, on étale. On peut maintenant le rerouler. Bien serré et on place au frais. On continue avec la préparation de la mousse au chocolat. Nous allons avoir besoin de lait entier, de crème liquide à 35%, de chocolat noir et de gélatine. On met la gélatine à hydrater dans un grand bol d'eau froide et on réserve au frais. Dans une casserole, on verse le lait et on porte à ébullition. En parallèle, on met le chocolat à fondre au micro-ondes par tranche de 30 secondes en veillant bien de remuer à chaque fois pour ne pas qu'il brûle. Une fois arrivé à ébullition, on ajoute la gélatine, on mélange un peu. Et ensuite, comme pour une ganache, on ajoute le lait en 3 fois sur le chocolat et on crée une émulsion. Je filme au contact et je laisse redescendre à une température de 35 degrés. Après avoir laissé une dizaine de minutes le bol du robot ainsi que le fouet au congélateur, je verse ma crème liquide bien froide et je la monte en mousse. Attention, pas trop ferme. Et je n'ai plus qu'à ajouter ma crème montée à mon chocolat en plusieurs fois. Et à l'aide de la maryse, on l'incorpore gentiment. Sont prêts, on va pouvoir passer au montage du gâteau. Donc je ressors mon biscuit viennois du frigo, on va parer. De manière à ce que ça soit très joli dans la bûche. Vous voyez? Ensuite, je prends mon moule à bûche, je fixe les embouts. Donc en fait, une petite astuce, moi je n'ai pas 50 000 moules à bûche.
j'ai un seul moule à bûche. Et ensuite, ce que je fais, c'est que j'achète des tapis de relief. Donc, ça vous revient 50% moins cher. Et vous pouvez en avoir comme ça, super plein, et faire des bûches, etc. De plein de manières différentes. Donc, je ressors mon tapis à relief du frais. Et je vais le placer dedans la bûche. Comme ceci. Ensuite, je verse ma mousse au chocolat. À moitié. Et j'y insère mon biscuit viennois. On enfonce pour faire remonter la mousse. Comme ceci. Et ça part au congélateur pour toute la nuit. On va pouvoir passer enfin au démoulage de notre bûche. Donc on commence à retirer la partie supérieure. On retire la bûche. Et le tapis à relief. Regardez, un vrai tronc d'arbre, on s'y croirait. On retire les embouts. Et voilà, tronc d'arbre parfait. Notre bûche est parfaite telle qu'elle, mais histoire de lui donner un petit air festif, j'y ajoute un petit peu de poudre alimentaire dorée. Et voilà le résultat. Donc je vous rappelle que c'est une bûche entièrement chocolat. Elle est composée d'une mousse au chocolat noir, d'une ganache chocolat noir et d'un biscuit viennois. Si la recette vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour ne perdre aucune de mes recettes. Merci, on se retrouve pour une prochaine vidéo.